C'est quoi cette chose sur son épaule? Ah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah, je sais. Je peux avoir un gâteau comme ça? Oh, bien sûr, je peux m'en occuper. Et j'ai besoin de farine et de lait. Maintenant, je casse des œufs, du beurre et bien sûr du sucre. Et je mélange le tout. Ça fait une super pâte, n'est-ce pas, Wednesday? Chose, vas-y. Donne-moi d'abord la farine. Oui, dans le bol. Puis le lait. Puis l'œuf. Ah oui, et n'oublie pas le sucre, chose. Maintenant, remue-le tout. Et moi, je vais ajouter un petit quelque chose de moins. Ouais, ça c'est mieux. Bien joué, chose. Quoi? Maman a tout fait pour elle? Oh, ouais. Bon, ben, ressaisis-toi. Il faut faire... Je prends des muffins et en fais une première couche. Puis, je vais les recouvrir de crème fouettée. Et une autre couche de muffins plus petit et encore de la crème fouettée. Quelle beauté! C'est bon, ça. C'est quoi cette main qui roule là-bas? Alors, mon gâteau est là. Et où la chose? Personne l'a vu? Peu importe. Je continue avec le gâteau. Oui, avec mon couteau, débarrassons-nous de ce truc. Ouais, la chose a préparé ça pour moi. Un peu ici, un peu par là. Tout ce qu'il faut. Voilà, une vraie cervelle. Oui, j'aime bien les friands. Bon, le gâteau ne se fait pas tout seul. Il est temps de faire le niveau 2. Je vais recouvrir les trucs de crème et maintenant je vais laisser le tout avec une spatule. Juste comme ça. Génial! Mais le gâteau ne semble pas avoir assez de décoration. Nous allons maintenant y remédier. Je vais recouvrir des moules de chocolat au lait. Et je vais ajouter l'azote liquide. Maintenant, la pâte de chocolat. Et bien sûr, les noisettes. Voilà. C'est génial. Les M&M's. Et voilà. Les petits, je vais en mettre juste au-dessus. Et mon gâteau est prêt. T'aimes bien, Wednesday? Oh, c'est trop sucré. Je vais mettre du sang, moi. Beaucoup. Et bien sûr, des yeux. Mieux comme ça. Mais j'adore les arcs-en-ciel, alors je vais ajouter les trucs comme ça. C'est un super gâteau. Waouh, Wednesday! Oh, ton gâteau a l'air vivant! Bien sûr qu'il est vivant. C'est de la cervelle. Goûtons-le déjà. Oh, ça n'est pas mon gâteau M&M's. C'est quoi, de la cervelle? Bon, je vais mieux de commencer par le gâteau de Ben. C'est juste la crème fouettée, des petits gâteaux, des muffins. C'est bon, mais c'est pas vraiment un gâteau. Bon, maintenant, c'est le gâteau du chef. Wow, c'est un énorme bonbon. Et c'est follement délicieux. Et le gâteau est plus savoureux. Wow. Je crois qu'elle est en train d'essayer le gâteau de Wednesday. J'espère que ce n'est pas du vrai sang. Attendez. C'est du sirop de fraise. Et ça, ce sont des yeux remplis de marmelade. C'est bon, ça. Waouh. C'est bon, ça. Wednesday, c'est le gagnant. Je peux pas m'en arracher. Wednesday, félicitations. J'adore ce gâteau. Attendez un peu. Est-ce que ça bouge? C'est quoi ça? Une main humaine! Ah! Au secours! C'est sur ma tête! Ah, te voilà la chose! Et qu'est-ce que c'est que ça? Ça ira? Je veux des pâtes! Des nouilles? Ouais!
sais, même un enfant peut le faire. Il y a des nouilles instantanées. J'ouvre le couvercle. Je mets l'assaisonnement. Et je mets la bouilloire. C'est tout. Et quel gâchis. Wednesday, j'ai renversé des asticots dégoûtants sur l'assiette. Je pense que Paige va pas aimer ça. Je vais les jeter. Oh, n'importe quoi. D'accord. Je vais lui faire des pâtes. Je vais juste ajouter de l'eau, un peu de colorant. Ouais, colorant rouge. Je remue. Maintenant, je vais utiliser mon ségateur pour couper l'excédent des pailles. Pendant que ça gèle, je mets le liquide. Voilà, des biscuits Oreo. Personne ne regarde, je peux pas m'empêcher. La crème est vraiment bonne. Maintenant, je vais faire des miettes. Voilà, la gelée. C'est pas mal. On dirait des verres. Je vais tout mettre ça. Voilà mes spaghettis. Ah, oh, Wednesday, comme toujours. Et moi, je vais faire des pâtes maison. Voilà. Maintenant, je vais la mettre dans l'eau bouillante. Oh, des pâtes fait maison. Non, mais pourquoi faire comme ça? Si tu peux juste mettre de l'eau chaude. De l'eau bouillante. Voilà, on ferme. Oui, je ferme. J'y arrive pas. Oh, je sais. Ouais, je vais bien la fermer. Oh, à point, Betty. Oh, oui, bien sûr. Bon, ma pâte est presque prête. Et je vais la frire juste comme ça. Oh, juste parfait. Bien sûr, un peu de fromage râpé. Et quelques tomates pour décorer. Super beau. Mais regarde, mes nouilles sont bonnes aussi. Oh, non, mais j'arrive pas à ouvrir. Quoi faire? Je sais. Je vais juste mettre la paille ici, avec le chewing-gum. Ça va être même plus pratique. Tada! Ouais, c'est fait. Oh, vous avez beaucoup cuisiné. Ah, je vais commencer par l'option la plus sûre. Oh, c'est pas trop dur, ça? Ça a l'air bizarre. C'est sec? Non, pas cool. Qu'est-ce que c'est que ça? Des asticots dans le sol? Non. Bon, je vais essayer. Bon, Paige, tu peux le faire. Oh, attendez une minute. C'est très bon, c'est de la gelée et des Oreos. Bon, j'ai pas besoin de la fourchette. Si j'ai bien compris, je vais juste mettre la paille ici. Ah, c'est le chewing-gum mâché. Berk. Je vais essayer. Oh, c'est bon, ça. Et les nouilles sont bonnes aussi. Ben, t'as gagné. J'adore ces nouilles. Oh, vraiment? Moi? Ouais. Ouais, moi. Oh, désolé. Alors? Oui, comme ça. Regardez. Je veux un biscuit aux pépites de chocolat. Comme sur la photo. C'est absurde, il n'y a rien à faire. Il suffit de les sortir de la boîte. Voilà. J'en prendrai un. C'est bon, ça. Et qu'est-ce que vous avez? Je ne vais pas perdre cette fois-ci. Nous allons prendre de la farine, du lait, deux œufs. On mélange le tout. Maintenant, on doit étaler la pâte. Une affaire simple pour moi. Ce n'est pas pour rien que j'ai mon rouleau à pâtisserie préféré. Maintenant, je découpe les futurs biscuits avec ce moule-là. Oui, il y aura plusieurs formes. Oui, c'est mon moule préféré. Oh!
Wednesday, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'est juste un truc pour faire la pâte. Il faut bien couper. Et maintenant, ça va être la forme des doigts. Et bien sûr, un ongle. Et maintenant, je vais tout mettre ici. Voilà le glaçage. De l'eau. Et le colorant vert. Maintenant, je vais tout bien remuer. Et je vais bien colorer les doigts. Alors, il est temps de brûler tout ça. Voilà la lumière. Oh ouais. Voilà, c'est fait. Alors, t'aimes bien ma cuisine, Betty? Oh, c'est très inhabituel. Mes biscuits sont aussi cuits. Maintenant, je dois les recouvrir de chocolat. Mais j'ai autant de couleurs de chocolat que de moules. Je n'ai plus qu'à les superposer. Mes biscuits pour hamburger sont prêts. Génial. Oh, n'importe quoi. Oh non, vous êtes tellement lent. Oh, non. Est-ce que j'ai mangé tous les biscuits? Oh, j'ai une idée. Je vais faire frire les toasts. Je prends de la pâte de chocolat blanc. Ça sent bon. Oh. Le toast est brûlé. Bon. Je vais juste le découvrir de pâte et le mouler. Oui, c'est comme un Oreo. Quoique, oui, c'est la bonne forme. Je vais manger le surplus. Voilà, juste ce qu'il faut. Oh, c'est dégoûtant même pour moi. Bon, essaye, Paige. Wow, vous avez vraiment fait de votre mieux. Demande à part Ben. C'est quoi ça? Quelqu'un a mangé ça avant? Non, ça coule. Non, merci, je mangerai pas ça. Alors? Je pense que je vais manger ces doigts de la sorcière. Ça a l'air bon. Et ça a très bon goût. C'est délicieux. Et maintenant, je vais essayer ce burger. Il y a tellement de couches. C'est exactement comme un vrai burger. Oh, oui, j'adore le pain. Et je vais tout essayer. C'est croustillant et chocolaté, j'adore. Betty, t'es la gagnante. Moi, je suis tellement contente. Je suis super ravie, hein. Moi, je l'ai la plus délicieuse qui soit. En look élégant, en arrière-goût inoubliable. Et bien sûr, un peu de paillettes. Des paillettes magiques et rafraîchissantes. Je pense que c'est parfait. Je pense que c'est fait. Wow! J'adore cette bouteille de gelée. Regardez. Oh, wow! C'est tellement lumineux. Je vais commencer par le bleu. J'adore la couleur. Wow! Oui, c'est super bon, ça. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Une abeille? Alors, qu'est-ce que c'est que ça ensuite? Le rose, c'est appétissant. Oh, comme c'est bon, ça! Waouh! Et maintenant, je peux faire des bulles. C'est super amusant et délicieux. Et voilà la troisième option. Oh, c'est un peu moins appétissant, mais je vais quand même essayer. Oh! Oh! Qu'est-ce qui m'arrive? Oh non, je préfère pas le boire. Le rose est le meilleur. Non, je suis bon. Moi, je veux une sucette cette fois-ci. Comme celle-ci, elle est magnifique. Ah, je sais ce que je vais faire. Je prendrai le poupée. Juste une partie. Pour être exact, je les déconnecterai les bras. Et je vais prendre ce truc-là. Je vais mettre tout ça sur la poêle. Je vais ajouter du sucre, de l'eau. Et je vais tout bien mélanger. Ouais, mon bonbon va être noir. Je vais ajouter le colorant, je remue le tout. Oh oui, je pense que c'est parfait.
La sucette est géniale. Maintenant, je verse la solution dans un verre. Et je vais mettre le stylo dedans. On va attendre un peu. Et on sort la sucette. Voilà. Du sucre brûlé sur les mains, c'est comme le manche d'une robe de soirée. Quoi faire? Ah oui, une cuillère, ça fera l'affaire. Je vais mettre du sucre. Il m'en faut plus, je vais utiliser le brûleur. Ça sera plus rapide. Ouais, c'est comme de la magie. Oh non, c'est vraiment très brûlé. Il faut essayer. Oh, c'est tellement chaud, ma langue. Ouais, je suis d'accord. Il est où le frigo? Je vais mettre tout ça ici. Juste ce qu'il faut. Oh oui, super. Je vais ajouter du sucre à ce sirop rouge. Ouais, j'adore ce délicieux bonbon. Parfait. Il ne reste plus qu'à remuer un peu. Oui, maintenant c'est prêt. C'est la saucisse que j'ai et je vais la rouler maintenant. Ouais, bellissimo. Il ne reste plus qu'à ajouter le blanc. Je vais en faire deux pour obtenir une sucette incroyable. Voilà. C'est comme sur le dessin. Ouais, je suis un génie. Alors, ma sucette, je me demande si c'est prêt ou pas. Oh oh! Non, j'arrive pas à bander. Eve, ça fait mal. Mais je sais que c'est gelé. Voilà, regardez la sucette que j'ai. Wow, quel choix! Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ne sent même pas bon. Et le goût est dégoûtant. Et c'est quelque chose de très bizarre. Mais ça sent bon. Et le goût est vraiment incroyable. Quoi? Pourquoi elle a pris la main de ma poupée? C'est horrible. Oh! Oh, cette sucette doit être goûtée. Oh, c'est tellement cool, miam. Oui, ça vraiment, c'est le meilleur. Ouais! Ouais, je savais. Le dernier trait, et voilà, une pastèque. Génial! Et comment en casser? Peut-être comme ça. Voilà, avec toute la force. Non, j'y arrive pas. Et moi, je vais utiliser une scie. Ouais. Non, mais pourquoi tu fais ça? Non, mais ça vole vers moi. Wednesday, fais attention. Regarde. Désolée, mais c'est de l'art. Ouais, juste ce qu'il faut. Un cerveau parfait. Quel plat étrange. Je vais rendre beaucoup plus soigné. Alors, coupons un morceau. Je n'aurai pas besoin de ça. Je vais prendre un mixeur et transformer le tout en liquide sans toucher à la couenne. Maintenant, je vais verser tout l'excédent. Ouais, ensuite, je vais verser la gélatine et un peu d'eau. Je mélange le tout. Je vais ajouter le colorant. Et je vais tout bien remuer. Ouais, j'en aurai si de ces trucs. Oh, c'est dégoûtant, ça. Je suis pas d'accord avec toi. Continuons. D'abord, je vais verser la gelée rouge. Puis l'orange. Puis le jaune. Je vais mélanger toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Faire des couches. Et recouvrir d'un couvercle en forme de pastèque. Oh ouais, génial. C'est quoi ce bruit? Ouais, je vais te bien casser. Oh. Non, je me suis coupé le bras. Oh. Oh non, il faut que je l'aide. Oh, non, mais mes mains. Je suis comme un chat. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ne frappe pas sur la pastèque. Voilà, le clic, c'est tout. C'est tout. Merci. Oui, je suis comme ça. Alors, je vais prendre une cuillère. Je vais essayer de me retenir. Et... voilà, c'est ma recette. Bon appétit. Par quoi commencer? Bon, je vais commencer par celle-ci.
Et vous voyez, je prends le morceau et je goûte. Une pastèque comme une pastèque. Oh, c'est quoi ces euros-là? J'ai pas envie de les manger. Bon, je vais manger ça. En fait, c'est pas mal du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que je dois le manger? Est-ce que je dois le couper ou quoi? Je prends le couteau pour ça et regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Waouh! C'est vraiment intéressant! Waouh! La pastèque la plus savoureuse! Elle est tellement bon! Vraiment incroyable! Bien sûr, on l'a gagné! Qu'est-ce que t'as dit? D'accord. Ouais, c'est autre chose, ça. Ce n'est pas juste! Je me demande ce que c'est que ça. Voilà, c'est prêt. Je veux un sandwich. Il est si gros et si délicieux. D'accord, je vais prendre la commande. Ouais, je vais le faire. Je suis tout à fait prête. Je vais couper le pain en forme d'hexagone. Maintenant, le fromage. Oh oui. Ça va être super appétissant. Bien sûr, le piment. Oh, il est indispensable. Un peu de sauce tabasco pour lever le tout. Oh, tellement piquant. Juste qu'il faut. Je vais en mettre beaucoup. Je vais mettre le pain. Et bien sûr, du jambon. Et bien sûr, je vais tout faire frire. Juste pour ce qu'il soit noir. C'est pas dangereux, ça? D'accord. Je vais prendre le grille-pain. Je pense pas que ça soit super dangereux. Je vais mettre le pain. Je vais prendre ça. C'est bien. Juste ce qu'il faut. Je vais mettre des marmelades, des guimauves. Et bien sûr des bonbons. Oui, ça va être un délicieux repas. Maintenant, je vais mettre le couvercle. Oh, non, j'y arrive pas. Vas-y, ferme, ferme. Comme ça. Ah, c'est chaud. Non, mais pourquoi? Oh, waouh! C'est chaud, mais très très bon. Oui, mes sandwichs sont parfaits. Qu'est-ce que vous faites, les filles? Regardez comment travaille un professionnel. Un peu de fromage et de jambon. Et un tout comme ça. Bien sûr, les frites. Il faut les écraser. Bref, ce sont des cheetos, en fait. Non, c'est pas ce qu'il faut. Je vais prendre l'œuf et je vais tout bien remuer. Maintenant, je vais prendre le sandwich, je vais mettre dedans et maintenant le panier avec des cheetos. Je vais ajouter l'huile et voilà. Ça va être super bon. Maintenant, je vais prendre le sandwich. Ah ouais. Ça, je comprends ça. Bon appétit! Choisis! Alors, par quoi commencer? Je vais bien le couper. Oh, tellement appétissant! Ouais! Parfait, c'est génial! J'adore ce sandwich! Mais pourquoi il est tellement petit? Maintenant, je vais prendre celui-là. Oh, wow! C'est avec de la marmelade! Vraiment super bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est horrible. Je vais même pas le goûter. Oui. C'est tellement épicé. Aidez-moi. Sauvez-moi. De l'eau, s'il vous plaît. Oh, quelque chose de sucré. Oui, ça, c'est le gagnant. Oui. J'ai gagné. Oh, petite Margot, qu'est-ce que tu veux? T'as dessiné des gaufres? Oh. Je peux voir sur vos visages que c'était du gâteau. Bah allez, quelque chose ne va pas? On peut être honnête, non. Je crois que je vais essayer d'improviser quelque chose, quelques œufs. Je dirais que bon, toujours dans une sorte de pâtisserie, de la farine, bien sûr. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais bien fouetter. Ouais, je mélange tout bien. Alors, ouais, c'est vraiment bon. Génial.
Alors? Non, mais... Oh, bien sûr, il faut l'ouvrir. Et voilà, je mets la gaufre dedans. C'est pas mal, ça. Oh, qu'est-ce qui se passe avec les gaufres? Il y a quelqu'un, là? Oh, oui. Alors, j'allume. Oh, non! Ça brûle! Oh, non, mon extincteur! Heureusement qu'il est là. Oh, j'y vais. Pas de panique, pas de panique. Alors? Non, toute ma gaufre est brûlée. J'ai déjà préparé ma délicieuse pâte à gaufre. Il ne reste plus qu'à la faire frire, mais j'ai décidé de ne pas opter pour le design primitif habituel que tous les amateurs feront. Je vais faire de belles gaufres en forme. Je pense que l'ours en peluche et le lapin font plus l'épée qu'une simple cage. Quelles sont les autres créations? Oh, chose, mon fidèle serveur, merci pour ta fidélité et ton aide. Cette pâte n'est pas du tout à sa place. Je crois qu'il lui manque quelque chose de coloré. Comme mes yeux préférés. Ouais. Ouais, c'est juste qu'il faut. Je pense que c'est génial. Ouais, j'adore. Alors, qu'est-ce que t'as, chef? Moi? Attends, comment tu m'as appelé? Ah, d'accord, je suis occupée à autre chose en ce moment. Je suis occupée à gagner cette étape. J'ai ajouté de la crème fouettée. Voilà, c'est un délice. Et il faut le couvrir avec le trou moitié, voilà. Ça n'a pas l'air appétissant du tout. Elle n'a aucune chance. Chose, je sais ce qu'il faut faire. Chose, qu'est-ce que tu veux au chef? Oh, t'es un bon gars, pourquoi tu fais ce genre de farce? Oh, non, mais quoi? Non, qu'est-ce que tu fais? Oh non, t'as détruit des gaufres de chef. Oh, quoi que le chef l'a fait lui-même. Oh non! Oh, mes gaufres! Comment ça se fait? Mes pauvres gaufres! Oh non! Tout le monde est prêt? Essayons un peu. Margot, la nourriture arrive. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une vieille éponge. Oh! Non, mais je vais quand même goûter ça. Pas mal. Et qu'est-ce que c'est ça tout au milieu? Waouh! Des gaufres avec les yeux en marmelade, ça doit être bon. Oh oui, c'est vraiment super. J'adore Wednesday, merci. Ouais, félicitations Wednesday. Margot, qu'est-ce que tu veux? Un milkshake? D'accord. Alors les gars, tout le monde sait cuisiner? Ouais. Bon, je vais commencer par décorer ce joli verre avec du sirop de chocolat. Seul le vrai professionnel font ça. Maintenant, nous devons tremper le verre dans les paillettes croquantes et colorer au chocolat. Et le verre lui-même a déjà l'air très appétissant, mais ce n'est que le début. Bon, maintenant, prendre le mixeur et commencer à préparer la délicate boisson elle-même, un milkshake. La petite Marco va avaler sa langue, je vous assure. Et maintenant, il faut tout bien mélanger. Oh oui, je pense que c'est vraiment pas mal. Ouais, bien sûr que je vais ajouter des petites friandises. Alors, qu'est-ce qu'elle fait Wednesday? Alors, tout est prêt la chose? Le technicien du laboratoire a fait un travail parfait. Mon laboratoire personnel est prêt. J'ai préparé le milkshake le plus spectaculaire de la vie de bébé Margot. Tout ce que j'ai à faire, c'est de remplir quelques tubes avec des liquides secrets. Oh oui, elles sont trop secrets. Autant de liquides colorés que possible, et se peut. Et maintenant, nous attendons que le mélange soit distillé dans un autre flacon. C'est un processus important. Ouais, chose, allume. Bon. Oh, tout est prêt, maintenant c'est génial. Ouais, comme c'est bon. Ça doit être super. Moi, j'ai fini de décorer le milkshake. Ouais, est-ce que c'est génial?
Non, c'est pas le bon mot. C'est vraiment super génial. C'est magique. Oh, c'est chef, on a de si bons milkshakes et moi. Ah, oui. Mon frigo, il faut que je trouve ce qu'il y a de sang là-dedans. Oh, wow. Ouais, je viens en fait ajouter tout ce que j'ai de chewing-gum et en spray. Ouais. En fait, c'est cool. Et un peu de poudre. Wow. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, un peu de bonbons. Et plus de bonbons. Maintenant, je vais ajouter du Sprite à la Fanta. Parfait. Voilà, j'ai terminé. Je ferme, je secoue. Génial. J'aime beaucoup. Wow. Oui, Margot, goûte. Wow, tout a l'air si magique et appétissant. Oh, ce truc vert, c'est le plus intéressant. Wow, qu'est-ce qui se passe? Ah, t'es tellement acide. Horrible. Oh, c'est quoi cette tour de sucre? Il n'y a que moi. Moi, je vais essayer. Wow. Oh, c'est ce que je voulais. Oh, des décorations sucrées aussi. Je sais pas comment faire mieux. Oh, j'ai failli l'oublier. Voyons voir. Oh, comme c'est bon. Ouais, c'était cool. Qu'est-ce que tu veux? Oh, c'est le toast. Je suis un pro. Et alors, je sais ce qu'il faut faire. Voilà, c'est juste de la chimie. Alors, je peux tout faire moi-même. Il faut pas oublier le colorant. Maintenant, je mélange tout. Voilà. Beaucoup de couleurs. Voilà. Plusieurs couches. Et voilà. Je suis sûre que ça va être parfait. Du pain arc-en-ciel. Ouais, j'adore l'odeur. Je ne cuisine qu'avec ma technique. Regardez mon grille-pain gothique. J'imiterai ce pain ordinaire. Malheureusement pas gothique. Chose, hein. Ouais. T'as cassé mon grille-pain? Ouais. Maintenant, je vais ajouter un peu de tabasco. Pourquoi pas? Ouais, je pense que le toast épicé, c'est pas si mal que ça. Alors, mon pain est prêt. Je me retiens de le manger moi-même. Il est délicieux. Maman sera fière de moi. Maintenant, je vais le couper. Génial. Ouais, je pense que mon pain est vraiment parfait. Un peu de crème fouettée. Des fruits. Et un autre pain. Maintenant, je coupe. Oh, le pain, il est où? Oui, un pain, c'est tellement beau. J'adore. Et bien sûr que je vais ajouter de la Nutella. Ouais. Du Nutella sucré, chocolaté, aux noix. Je suis déjà jalouse de Marco. Je peux pas m'arrêter. Oh, comme c'est bon. Oh? Oh non, je suis coincée. Non, mais je vais pas t'aider, moi. Quoique, voilà. Non, non, non! S'il te plaît! Oui, un peu de marmelade, je pense que ça va être bien, voilà. Et je vais tout mettre au micro-ondes, un peu. Et où sont mes toasts? Tout le monde est prêt? Bien! Parce que la petite Margot est déjà en train de s'énerver. Wow! Te
sent si bon! Je vais commencer par celui-ci. Elle ressemble à la photo! Waouh! C'est tellement gelé à l'intérieur! C'est un peu sec, mais bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est Wednesday. Alors? Non, c'est tellement épicé! Super épicé! C'est pas ce que je voulais! Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, peut-être quelque chose de vraiment bon. Alors, essayons. Waouh! C'est super!